Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Crusader Kings 3 si le jeu décide de lancer ma sauvegarde. Parce qu'en fait elle a été faite avec une version différente et si ça se trouve, il va pas aimer. Git and Gud, ouais. Git and Gud! Hein? Mais comment ça? On était plus en guerre, c'est fini. Pas en galère là tout de suite. C'est le jeu, je crois. Oh, terrible. Un peu en galère de quoi? C'est parce que t'es Covid-ed? Ah oui, non, ok, c'est bon, j'ai compris ta phrase, oui. Oui, un peu Covid-ed quoi, le jeu du Covid. Oui, non mais c'est bon, je croyais que tu me disais c'est le jeu, genre c'est K3 et j'étais là en mode what the fuck, qu'est-ce qu'elle raconte? Quel est le projet? Alors attendez voir, parce que mon archevêque ne m'éprouve pas. Je suis en train de me dire, hein? Alors, lui me déteste, mais je l'ai pas déjà... ouais, voilà, je complote déjà. Hâte de voir la continuité de Druk Ireland. Bah écoute, ouais, je sais pas, hein. Ça c'est des trucs... normalement à mon vassal, mais je crois que mon vassal m'aime pas trop, du coup j'en ai plus trop le contrôle. Je suis pas intolérant à ce point, bah, c'est ce que je me disais, tout de même, de grâce. Alors je crois que mon perso était mort la dernière fois et que... Je me suis souvenu qu'il fallait que je fasse absolument un truc sur... sur C4 ans en lançant ma save. Mais j'ai oublié quoi. Au secours. Alors, Beotric... Mais c'est qui ce con? Ah non, non, mais non, mais je veux pas déclarer la guerre au roi d'Angleterre, ce serait une connerie. Je portais une casserole d'eau, j'ai une courbature dans le bras de quelques secondes, j'ai des choses inédites. Ah, c'est des sensations, hein. C'est des sensations, hein. C'est de l'adrénaline et tout, hein. Au secours. Alors, attendez voir. Il a quelle gueule, mon conseil, là? Oh, ça va, hein. Ça pourrait être pire. Oh, le duc Dolphin, il me déteste, hein. Je peux pas lui envoyer un petit cadeau, là? Ou je l'assassine, aucun rapport, direct quoi. Direct, je l'ouvre. J'ai pas assez d'argent pour lui envoyer un cadeau. C'est pas grave, tu vas pas me faire chier. Hein. D'accord. Oh, bah j'ai juste une kit and cut. Tout à fait. Bon, du coup, semaine prochaine, normalement, ce sera le stream. Ce sera lundi, jeudi et samedi. Après-midi, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour le stream du week-end, je suis pas encore sûr. Je vais en avoir des hommages. Oh oui. Oh oui, dûment mérité. Hein. Dûment mérité, cela dit. Mais on fera pas de Dark Souls, pas la semaine pro, parce que j'ai trop envie de faire du Vampire Survivors demain soir. Et en fait, jeudi soir, on va faire du Worms avec Yeye, Tancred, Galeo et Fox. En théorie, faut juste qu'on teste le crossplay. Donc pas de Dark Souls la semaine prochaine, ce sera pour la suivante. Et puis on fera du Crusader Kings 3, évidemment, le dimanche. Alors attendez voir, parce que là, j'ai... Ouais, le faible contrôle du Comtal, ça y est, ça commence déjà à esquiver. Non, j'esquive rien du tout. Juste que c'est pas un jeu très intéressant, donc du coup je vois pas forcément l'intérêt de le mettre à la programmation, sachant que je peux faire du Worms avec les autres, ce qui est beaucoup plus intéressant. Voilà. Après, en soi, bon, j'ai pas passé un mauvais moment jeudi soir, mais de là à dire que je rêve de ce nouveau moment... Voilà quoi. De toute façon, moi j'ai respecté mon engagement. L'engagement c'était je commence Dark Souls, hein. En théorie, j'avais juste à jouer 10 minutes et c'était ok. Hein. Quel connard. Bon, je sais pas ce qui se passe, là, c'est les embrouilles, ça a l'air de se battre. Bon bah, mon archevêque qui m'approuve pas, ça, c'est encore assez normal. T'es en train de paumer ton fief en Irlande? Bah, je fais pas grand-chose en Irlande, mais... En fait, j'avais ça avant. C'est à mon vassal, mais je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas s'il est passé en mode sécession ou si... Parce que j'ai... Enfin, je suis mort et c'est Yeye, mon fils Yeye Dub, qui a repris la maison. Et du coup, je sais pas trop... Je sais pas trop ce qu'il fout. Je vous avoue que je comprends moyennement le projet, mais bon, c'est pas grave. On va voir. J'ai pas encore toutes les mécaniques du truc, quoi. Donc, augmenter le contrôle du Comtal. Alors, en fait, en soi, on pourrait peut-être... Ouais, voilà. On pourrait peut-être augmenter le contrôle du Morlaix, parce que du Morlaix, moi, noble comme l'aigle. Tout à fait. Comme un aigle. Et je suis en trêve avec ce connard, là, si je dis pas de bêtises. Bon, il s'est fait poutraver à domicile. Hein. Il a plus rien. Le mec est à Walp. Attendez, par contre, j'ai d'autres... Ah, mais attendez, je vais rançonner des prisonniers, là. C'est qui, les prisonniers? Vas-y, va, file ton fric, c'est bien. Ah oh, ouais, je rançonne. Ouais, vas-y, go. Hein. Go, hein. Moi, je rançonne. Ça, je vais dismiss, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité. Earl Murray. Oh, mais Murray... Wesh, Murray, il est nul. Ah, mais ils sont tous nuls, mes vassaux. Oh putain, il est bon, elle est bonne en érudition, elle, mais le problème, c'est qu'en érudition, je suis obligé de me taper l'autre gland, là, qui me déteste. Faut changer la devise.
On va y réfléchir. On va y travailler. On va y travailler. On va travailler à ça. Mais je sais pas si je peux changer la devise du pays. Non mais Murillo, il me déteste. C'est pas grave. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Tout va bien se passer. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils se foutent sur la gueule? C'est des trucs... Attendez. Dans la guerre de vassalisation, Lothian... Hein? Ah, ils sont en train de se faire gododin. C'est le Dolphin, mais qu'est-ce que tu branles, Dolphin? Je comprends pas. Ah, il y a une révolte, c'est ça? Révolte! Guerre de revendication du Earl Gospatrick. Oh là là, mais vous êtes des niqués de faire des trucs comme ça. Quel est le projet, en fait? Bon, mes vassaux sont en train de se casser la gueule. Ce qui n'aide pas à l'unité du pays, hein. Ça, faut bien se le dire. Maintenant, quand même, c'est honteux, quoi. Ah, je peux rançonner. Oh putain! Attendez, what the fuck? Le duc machin m'est cher. Ah non, mais attendez, c'était ce con là! C'était ce con qui m'avait fait une révolte? Ouais, en même temps, là, vu la gueule qu'il a. Je suis en l'orque intermittent entre la tentative de me faire manger et mon mouche. T'inquiète, Justine. L'essentiel, c'est que tu te reposes. Merci pour ton l'orque. Et ne t'en fais pas. Vous n'avez pas obligation d'être actif dans le chat, vous le savez. C'est pas obligatoire. Donc, surtout pour Justine qui a le Covid. Attendez, parce que là, là, il se passe un truc incroyable. Oh putain, mais j'ai beaucoup trop de prisonniers, faut que je rançonne tout ça. Après, c'est vrai que je peux pas trop cracher sur 91 d'or. Et tout ça, là. Ouais, mais ça, c'est des faveurs, je m'en fous. Moi, je voudrais les rançonner pour du fric, mais je peux pas, quoi. Négocier la libération. Je peux pas le faire prononcer les vœux, je peux obtenir un hameçon. On va prendre les hameçons. Je peux le recruter? Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, il est pas terrible. On va le laisser... Ah, quoique, il est pas si mauvais en prouesse, hein, ça pourrait faire un bon chevalier. Il me déteste ou pas? Oh, il me déteste pas tant que ça, hein. Je vais le recruter. Ça va me coûter de l'argent, ça, ou pas? Non. D'accord. Je vais le recruter, je vais le nommer chevalier. Négocier la libération. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Bon, il est pas terrible non plus. Je vais lui exiger la conversion. Ah, je peux le forcer à se convertir. Je vais obtenir... Ah, il refuse. Bon, bah, je vais juste négocier la libération comme ça. And then... Ah, mais je perds de la redoutabilité quand je fais ça. Ah non, c'est juste si je le libère en mode Balek. 2 minutes plus tard, je l'orque toujours entre les moments où j'essaie de me faire... Accommater les moments où je mange. Wait, what? Terrible. Et vassaux, alors c'est tout nouveau, mais faudrait trouver pourquoi qu'on gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Et pourquoi qu'on gueule? Je vais prendre les hameçons. Hein. Je vais prendre les hameçons. J'ai pas besoin d'avoir des geôles aussi pleines de connards, là. À l'effronter, yéyé dub. C'est vraiment un... Révolte! Au vil, yéyé dub. Oh, le dub n'est pas très appris. Ah putain, Henri, au secours. Ah, il grandit si vite. Hein. Ah, il a obtenu le très fin intellectuel. Très bien, ça. Ah, attendez, héritier non marié. Ça, par contre, c'est un vrai problème. Pourquoi je peux pas mettre... Ah si, c'est bon, d'accord. Pays de Galles indépendant. Non. Alors, attendez. Puissance d'alliance. Je vais marier mon gosse à quelqu'un de bien. Hein. Royaume de l'Aquitaine. Oh là là, ça, ce serait God tier. Elle a 14 ans. Elle n'a que 14 ans, mais c'est ok tier. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Reine... Attends. Femme indulgente, rapace. C'est pas clair. Hein. Très héréditaire, géant. 14 ans, ok tier. Ouais, dans le jeu, oui, c'est ok tier. Oh! C'est bien, ça. Si je faisais un mariage matrilinéaire, ils accepteraient de la même manière, d'accord. Eh ben, j'envoie la propale. Adieu, Céline. Salut, mon pote. Salut, mon pote. Tu aurais pu vivre encore un peu, Céline. Oh là là, le royaume d'Aquitaine, c'est un beau morceau, hein. Faut se le farcir, hein. Mais là, mon prochain objectif, je pense que ça va être l'Irlande. J'ai une revendication sur l'Ulster ou pas? Non, je peux pas déclarer la guerre parce que j'ai pas de revendication. Il faudrait que je fabrique une revendication. Mais le problème, c'est que... Pourquoi je suis encore en pause, au secours? Il faudrait que je fasse une revendication cantale. Alliance formée. Ah, c'est bien, ça.
Jouer peut-être à la guitare, c'est ça. J'ai bien aimé le yéyé doub du rap. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit, Justine. On avait le dub, et maintenant on a le doub. Jouer derrière, ça suffit! Je pense que je vais commencer à créer la branche cadette Mac Drucker Isley. Mais non, 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 mais tu vas, hey, non, mais tu vas arrêter ça, mec. Qu'est-ce qui t'arrive là? Il est en train de faire sa life, le gars. Le mec est en train de faire sa life. Le dupe du dubland, c'est ça, le doub. Le doub du doubland. Le doub. Grand maître du doub. Incroyable. Ok. Pas dingue, hein. Pas dingue, pas dingue. Alors, holster. Ouais, je pourrais prendre un bout de l'holster là, mais. Pff, en fait, le problème, c'est que j'ai pas de revendication là-dessus, c'est un peu nul. Je peux pas lui usurper son titre à ce con là. Oh, il a pas été influencé. Comment ça, vous allez faire une autre tentative? Ah, y'a que 32%! Ah merde, ça va mal se passer ça. Hein. C'est parce que c'est mon rival. Je peux pas lui envoyer un cadeau. Bon, ça coûte cher, mais. S'il peut moins mal le prendre. Offrir un artefact? Ouais, carrément quoi. D'ailleurs, attendez, il faut que je. Non, non, mais je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je refasse mes trucs là, mon sénéchal, tout ça. Antiquaire. Ah, j'ai que des clodos. Attends, s'il crée sa branche cadette, il fait le taf pour toi. Ensuite, tu remaries dans une ou deux générations et hop, roi d'Écosse, protecteur de l'Irlande et coque-bloqueur de l'Anglois. Oui, tout doux, tout doux, tout doux, mon lapin. Compétence moyenne. Ah, j'ai que des nullos. J'ai que des nazes. Oh là là, il m'aime pas, lui. Ah, il me déteste. Qu'est-ce qui fait qu'il me déteste? Veut siéger au conseil moins 40. Ah. Il est impatient. Mon règne est trop court. J'ai fait une guerre offensive. Ok. Ah ok mec, hein. Nerve pas. Hein. Diplomatie personnelle, acceptation culturelle. Ouais, bon. Il veut siéger au conseil, mais en même temps, mec, t'es un tocard, alors pourquoi je te mettrais au conseil? Quand on est un gland comme ça. Oh là là. Lui, le Murray de Atoll. Prétendant au titre. Ah oui, c'est vrai. Pas qu'il y a ça. Ouais. Bon. Bah, je vais mettre lui là. En grand. Ah non, c'est pas grand écuyer que je voulais, c'était sénéchal. C'était pas ça? Ouais, voilà, sénéchal. Augmentation du contrôle, ça c'est bien ça. Oh, j'ai un courtisan. Nul, mais vas-y, pourquoi pas. Hein. Et. Bon, si, je pourrais mettre un grand écuyer. Remarquez, je suis pas en dèche niveau finance. Je vais mettre lui, c'est bien. Antiquaire, maître de chasse, grand aumônier. Est-ce qu'il apprécierait plus? Ça me coûte un peu cher, mais c'est pas grave. Oh, le bouffon de la cour. Le bouffe. Quel enfer. Bon, ça se battait toujours là dans ce coin-là. Ah, plus 77%, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il. Ah non, moins 77%. Il perd la guerre, ce con. Du Earl Ghost Patrick. Ouais, le Earl Ghost Patrick. Ah oui, non, mais d'accord, ils se sont foutus sur la gueule pour un comté, en fait. Je comprends le délire. Je comprends un peu mieux le délire. Ok, pourquoi pas. Buchan. Et attendez, du coup, je peux pas faire. Il y avait un délire avec le. Ouais, ça, là. Je peux pas l'usurper. Ah non, il me manque encore un comté. Donc il faudra que je reprenne un comté à cet abruti là. Le duc machin de Moray. Wesh Moray. Ah oui, non mais lui il est lié, il est sbirifié par le norvégien, d'accord. Faut pas après tout, hein. Par contre ça m'emmerde que lui je puisse pas le. Ça m'emmerde que je puisse pas un peu le sbirifier quoi. Pas grave, on va le re-sbirifier chez nous. Oui, non, non, mais ça, c'est pas problématique, ça. C'est juste que. Ah, je peux pas déclarer de guerre. Il ne peut résister à l'origine douteuse de d'April, tout à fait.
Alors attendez voir. Ouais, mais le problème c'est que voilà. Mais le problème c'est que mes vassaux, ils sont vraiment nuls. Mais vraiment nuls à chier. Ouais, mais. Prince Galéo est bon en intendance. Après, je pourrais peut-être calmer ce connard en le mettant au conseil. Parce qu'il me semble que Galéo, il était pas trop mal en sénéchal, hein. Mais je sais pas s'il voudra encore être mon sénéchal maintenant. Je suis pas sûr de ça. Ah, Fiongal! Ah oui, Fiongal de l'île de Man. Tout à fait. Franck Provost, tout à fait. Évidemment, comme toujours. Hein. Mais ouais, mais Galéo, il est bon, hein. Non, bah, je vais les garder comme ça. Non, non! J'ai pas de compteur! Non, non! Ouais, c'est exactement ça, Silas. L'archevêque ne vous approuve pas. Ouais, c'est chiant, ça. On peut commencer à interférer. Autrement, il ne vous fournira ni levée ni impôt. Ah, le bâtard! Donc ça veut dire qu'il faut que je travaille à mes sbires, quoi. Pour que mes vassaux puissants m'aiment bien. Et là, en l'occurrence, mes vassaux m'aiment pas trop. Non, mais lui, je vais vraiment le passer en... J'ai pas le choix. Il faut que je le mette en... Il est un peu naze, mais... Il faut que je le mette en intendant parce que... Non, c'est chiant. Désolé, Galéo, mais... Je te suicide dans un parking. Et du coup, Galéo, je peux pas le réaffecter en tant que sénéchal. Il était pas trop mal, il me semble. Hein. Ah non, je peux pas le remettre. D'accord. C'est bien dommage. Mais du coup, Galéo, c'était un de mes vassals puissants aussi. Je me suis mis dans la merde en faisant ça. Ah non. Non, non, c'est vassal et ami. Il est pas considéré comme un vassal puissant. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas après tout? Mais en même temps, il est bossu, quoi. En même temps, bon, voilà, quoi, ça fait chier. Et la trêve, elle dure jusque quand, là? Oh, encore 4 ans! Putain, je suis pas rendu, hein. Je suis pas rendu avec ces... Et puis, je suis en pause, aussi. Je suis pas rendu avec ces conneries, hein. Parce que là, si je peux commencer à les taper le holster, c'est marrant, hein. On s'éclate, hein. On s'amuse. Alors, attendez, je vais peut-être construire un truc. Faut combien de temps encore pour la revendication comptable? Ah, ça va assez vite, quand même. Hein. Faut pas non plus que je me foute trop dans la merde niveau fric. Promouvoir la culture, ça avance pas trop mal. Ivernes, j'avais des... Rose, j'avais déjà des trucs. Prince Adaliant, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. That's true. Qu'est-ce que je pourrais construire, là? Terrain de chasse, hein? Votre neveu Goodwin a été tué. Désolé Goodwin. Désolé Goodwin. Tu ne fais que 16 ans, mais tu as quand même passé l'arme à gauche, mon pote. C'est mon pote. Ah, désolé Goodwin, on pense à toi, hein, Goodwin. Mais là, là malheureusement, je peux pas y faire grand-chose. T'es mauvais, Jack. Je reviendrai. Oh oui, on s'inquiète guère de ça. Je vais peut-être augmenter un peu mon fric. Là, la meilleure option pour faire ça, c'est ferme de colline, surtout que ça me donne un peu de levée, donc ce qui est pas trop mal. Ah, et là, le problème, c'est que j'ai un règne encore trop court, donc personne ne m'approuve. Je pense que ça va commencer à être le moment un peu chiant, là. Dit-il blasé alors que c'est lui qui choisit les noms. Bah, oui, non, non, mais bien sûr, évidemment. Il y aura un Goodwin 2. Hein. Il y aura un Goodwin ça. Oh, le bordel là-bas! Oh, mon dieu! En Inde aussi, hein, sacré Delbor, tout ça, tout ce coin-là, là. Ah putain, mais ici, hein. Pays Balte, c'est pas dingue. Hein. C'est bien cassède. L'Espagne, évidemment. Ouais. Oh, le Saint-Empire. Mais le Saint-Empire, ils ont son père niveau. Ah, c'est pas ouf, hein. Ils sont en guerre contre le François, évidemment. Vivement un peu d'unité dans les îles sur cette map. Oui, non, mais je suis d'accord. Ah, la Bretagne. Est-ce qu'on prendra pas la Bretagne un jour? Ah, il est allié au duc d'Aquitaine. Mais l'Aquitaine, c'est mon sbire. Ah non, parce qu'il y a le duc et le roi. Le royaume indépendant d'Auxerre, exactement. L'Aquitaine, c'est mon allié. Mais c'est la reine d'Aquitaine, mon allié. Oh, Toulouse. Le Languedoc. Le Rugueby. De toute manière, la mission, c'est la réunification des Monts de Sel. Tout à fait. Le Drukkerland triomphera. J'ai quoi comme faction contre ma gueule, là? Ah, c'est chiant, ça! Et c'est qui, elle, là?
Deux membres. Ouf, putain, vraiment pas. Hein. Ah! Mariède. Très bien. Sauf l'Angleterre qu'on laisse en vassal de ses morts. Non, mais l'Angleterre, on verra comment on peut la prendre, mais... J'ai assez peu de... Je crois pas trop à ma capacité de faire un empire, là. Hein. Attends, c'est dans décision, il me semble. Fonder un nouvel empire. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Déjà, il faut que je sois rayonnant en gloire. Là, pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Je suis établi. Au moins un de ceux qui... La taille de votre pays est d'au moins 120. Ah, on n'est pas rendu. Hein. Et je peux pas faire un nouveau royaume. Demander une revendication sur l'Irlande. C'est intéressant, ça. La grande confédération celtico-daprilienne, tout à fait. Votre niveau de dévotion est au moins dévot serviteur. D'accord. Et le pape Marinus III a au moins 80 d'opinion envers vous. Ouf, c'est pas gagné, ça. Quoi ? Sur l'Irlande, il faut que je contrôle l'Essex, la Mercy, Lancastre et Deira. C'est pas l'Irlande, ça, les gars. What the fuck ? Non, bah, l'Essex, on n'est pas rendu, hein. C'est un beau bordel, hein. Essex, Wessex, tout ça, là, c'est un sacré bordel. Mmh. Ouais. Là, c'est le moment où ça va être un peu creux. Hein. Oh, attendez, il se passe des trucs, là. Vous êtes dans la ligne de succession de titres. Quatrième dans la ligne de succession des Hébrides. Ah oui, mais non, non, il faut que je sois premier, là. C'est pas possible. Earldom des Hébrides intérieurs, Hébrides extérieurs, d'accord. Déjà, je récupère l'Écosse full, puis l'Irlande. Non, mais oui, mais le problème, c'est qu'en fait, faut rentabiliser parce que... Là, je suis en trêve contre elle pendant encore 4 ans ou 3 ans au moins. Je t'ai voulu, il n'y a plus que ça. Bah non, mais c'est... Oui, de fait, c'est comme ça que ça va se terminer. Alors, le pays perdra des terres lorsque le vassal héritera d'un titre étranger. Quoi ? Oh là là. Bon, s'il n'y a que ça, je m'en fous. Hein. Ah, parce qu'il va hériter d'un autre truc. Ouais, si je perds que ça... Qu'est-ce qu'il y a là, sur la gueule, là ? Squameux. Terrible. D'accord. Ah, c'est le moment où je comprends plus trop ce qui se passe. Hein, et où je subis un peu le game. Vous pouvez choisir un tuteur pour Andrew McDrucker. J'ai même aucune idée de qui c'est. Déjà, je vais mettre quelqu'un qui m'approuve un peu. Ou quelqu'un de bon en érudition. Je pourrais mettre Thomas. Ou alors quelqu'un un peu joué égal, Salsifi. On sait ce qu'il a, lui. Il est enfant chahuteur. On va lui mettre en mode bagarre. Quelqu'un qui soit bon, voilà. Votre maréchal et chevalier, très bien. Convertir à la culture. Ah non, non, mais c'est pas bon ça. Voilà. Tac. Crac. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Alors. Je suis encore en trêve pendant combien de temps avec elle, là ? Attendez. Regarde ma gueule. 3 ans. Putain, ça va être long. Hein. Ça va être long, nom de Dieu, ça va être long. Et d'ici là, j'aurai ma revendication comptable sur... Sur ce bout d'Ulster, là, sur Auriel. On peut voir le royaume d'Écosse à la fin du stream. Drukerland vaincra, Drukerland unit. Qui c'est à la cantine ? On y vient. Sert à baisser pour leur rouler dessus. Les joies de la traîtrise et les assassinats. Tout à fait, tout à fait. Non mais oui, non mais l'Écosse unifiée, ça, je m'inquiète pas trop de ça. C'est juste... Ah, je peux débloquer un nouvel atout en intendance. Je m'inquiète pas trop de ça, hein, clairement. Ah, j'aurai bientôt limite des domaines, j'aurai bientôt architecte et je pourrais commencer à retaper sur administration. Et ré-up. Parce que là du coup, je gagne pas autant de trucs qu'avant, j'ai plus autant de levées, parce que de fait, mon perso est mort. Il a quel âge, Dub ? Ah, il a 40 ans ! Putain, ça va peut-être être chaud, hein. Oh, le prince Henri, au secours, quoi. Cette gueule ! Il est géant, mais c'est un fin intellectuel. Il est chaste, ah ! Ah, merde. Merde. C'est un peu con, ça. J'espère quand même qu'il va me faire un gosse, parce que sinon, je le vivrais très mal. Je le prendrais très mal pour des raisons évidentes. Ah, tâche terminée. Au vil yéyé dub. Ah, il me déteste. Hein.
J'obtiens une revendication fragile, mais j'ai pas assez. Mais j'obtiens une revendication sur le petit royaume d'Ulster. Ah oui, d'accord, au passage. Ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas l'argent, c'est le problème. Je peux pas la virer, ça. J'ai pas l'argent, et c'est dommage. Mon fils, tu as Ken, ouais, grave. Drake Ireland, les grands conquérants vivent en entrant. Salut, mon pote! Terrible. Deux fois insulaire, je peux même affirmer que vous avez droit au petit... par droit divin. Mais j'ai pas assez d'argent, c'est ça le problème. Parce que je prendrais bien ce bout d'Ulster à la con. J'aurais rien contre, hein. Mais là, j'ai pas la thune. Alors attendez, peut-être que si je fais... Ah, il me repasse en pause automatiquement. Est-ce que je peux le faire, ça? Ah oui, mais je me retrouve en négatif. Mais c'est pas grave. Parce qu'en soi, j'ai des dettes, mais je repasse à zéro dans quelques jours. Dans Soon TM, je repasse à zéro. Ah, les fiancés peuvent se marier. Je vais vous la faire bouffer, moi, votre zététique de ces morts. Je vais vous la faire bouffer, moi. Coucou, accepte. Coucou d'ici, comment vas-tu? Attendez, quoi? Arranger un mariage. Mais pourquoi j'arrangerais un mariage? Ah, c'est avec Pivoine. Ah oui. Oui, oui, non, mais c'est vrai que j'avais... J'avais bolossé Pivoine, mais... Non, non, j'ai pas assez. J'ai pas de monnaie. Ok, supérieur. Ouais, mais ça me fait une alliance correcte, hein. C'est qui, d'ailleurs? Avec le roi de France. Pour taper de l'anglois, moi, j'aime bien. Allez, j'envoie la proposition. C'était l'objectif de vendre, de marier Pivoine, c'était que derrière, ça me permettait de... Ah, donc j'ai une revendication sur le... Sur... Oh merde, attendez. Faction dangereuse. Ça y est, c'est le bordel. Elle enverra un ultimatum bientôt. Ah oui, c'est ces connards, là. Donc je retrouve tous mes vassaux puissants que j'ai pas tempo parce que je leur ai pas donné de siège au conseil. Mais attendez, mais de... Putain, mais toi, j'aurais dû te mettre en érudition. Si je le nomme en maître espion, ça peut le calmer, vous pensez? Mais ouais, mais lui aussi, c'est un vassal puissant. Alors, dans quoi je pourrais le mettre? Je pourrais le mettre maréchal. Parce que mon maréchal, au final, c'est un chevalier, donc... Attendez, je vais mettre Dolphin, là. Dolphin map, Ghost Patrick. Dolphin carte. Et je me dis que peut-être ça va le calmer un peu. Ah, ça le calme pas du tout, hein. Oh, il en a rien à branler, hein. C'est assez hallucinant comme il s'en fout. Peut-être qu'il va se retirer de la faction, du coup, pas du tout. Il y en a un autre qui y est allé. Oh, Fiongal de l'île de Man. Ça va péter, hein, je vous le dis. Ça va péter très vite, hein. Ça va péter, et au moment où ça va péter, ça va être une catastrophe parce que je vais me retaper une guerre d'indépendance. Une guerre d'usurpation. Et là, ça va pas être drôle. Hein. Niveau lever des armées et tout, ça va pas être drôle. Même si j'ai des alliés cool. Ah bah, ça y est, j'ai récupéré ces bouts-là. Et en vrai, attendez, est-ce que je peux pas en envoyer un parce qu'il est criminel connu ou je sais pas quoi? Ouais, le problème c'est que, voilà, acte de tyrannie, c'est chiant. Oh, puis pourrait réussir, c'est nul, quoi. Bon, ça ne réussira pas, dommage. Non, mais ça c'est pareil, ne réussira pas. Mais c'est qui, elle? Ouais, d'accord. Ça va être cauchemardesque, hein, ce qui va se passer... Non, non, ça va péter. Ah ouais, non, mais là, ça va être drama. Hein. Ça va être vraiment dramatique. Et puis, j'ai pas d'argent, en fait. Je me suis mis dans la merde. Je me suis mis dans la merde tout seul, en fait. Je me suis mis dans la merde tout seul parce que... Mais je sais que mon archevêque ne m'approuve pas. Je me suis mis dans la merde tout seul à accepter le truc de l'Ulster, là. Ah! Ça se passe un peu mieux. Ah, la puissance militaire, ils sont trop bons. Hein. Je vais me faire dépecer vivant. Hein. Ça, c'est certified. Hein. Fiongal de l'île de Man. Ah, oh putain, merde. Ça y est. Parfois, j'ai l'impression que le monde entier repose sur mes épaules. Mes responsabilités en tant que roi du Drake Ireland sont sans fin. Il me reste à peine un moment à moi. J'ai besoin de quelque chose pour équilibrer mes humeurs. Ah, je peux perdre en érudition.
Ou alors je peux dépenser un peu de prestige. Si vous êtes encore stressé dans 5 ans, vous... Oh merde. Je suis à combien là niveau stress? Je suis à beaucoup. Oh non, ça va. Ça va aller. Bah je vais... ouais. Je vais dépenser. Hein. Vous n'êtes plus accablé par le stress. Ah mais il y en a un qui s'est barré là du coup. Et bah c'est... non, c'est pas Ghost Patrick. Hein. C'est pas Ghost Patrick. Hein. Attendez, vassal emprisonné? Ah bah oui, effectivement. Il a été fait prisonnier par le duc Thibaut de Toulouse. Ce qu'il a... D'accord. Merci, Toulouse. Merci Thibaut de Toulouse d'avoir supprimé mon ennemi. Ah, les carpes. Si c'est un étang pour les carpes qui vous intéresse, je peux vous en construire un formidable, monseigneur. Le pâtisseur qui est devant moi a de bonnes références et mes courtisans semblent très enthousiastes à son idée. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Chaque courtisan perd de l'opinion. Mais j'ai pas l'argent, en fait. Ça, faut que vous compreniez que j'ai pas la thune. Est-ce vraiment le meilleur accord possible? Je suis pas si bon intendant que ça, je pense. Hein. Je sais pas, c'est pas dingue. Hein. Je vais perdre du stress et ils me perdront un peu d'opinion envers moi, mais j'ai pas la thune, en fait. J'ai pas l'argent. Ah putain, ça y est. Ah non, pas du tout. J'ai un fils qui s'appelle Summerled. Ah, vas-y, hein, mon lapin. Oula, pourquoi la musique s'excite là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Votre vassal a formé une faction pour contre vous. Quoi? Mec, mais... Oh, vous êtes insupportable, hein. Faction pour la liberté exige une autorité de la couronne plus basse. Vassal libéré. Ah, mais c'est celui qui avait été emprisonné. Du coup, il a fait sa faction à côté. Bon, pourquoi pas. Je peux envoyer un ultimatum dans 2 mois, parce qu'ils sont moins mécontents qu'avant. Vous êtes des gamins. Non, mais c'est exactement ça. Donc, on a repoussé un peu l'échéance de l'ultimatum, c'est bien. Oh, c'est pénible. Hein. Elle faudrait que je la mette au conseil, c'est pareil, mais elle est pas terrible en fait. C'est ça le souci. Mais il est nul lui, c'est qui ça? Oh bah c'est bon, bah je vais mettre elle alors. Je vais mettre Christine. Voilà. Et là, normalement, le mécontentement devrait plus augmenter autant. Si? Ah, attendez. Oula, il se passe des trucs là. Vous avez hérité du Earldom de Lennox et de un autre titre du prince Adaliante. Quoi? D'accord. Earldom de Lennox? C'est où ça? Profitez que tu t'endormes, la musique s'envole toutes les 30 minutes pour ne pas piquer du nez. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Attendez, c'est quoi le Earl? Il est où le Earldom de Lennox? Ah oui, il est là. Ah d'accord, j'ai hérité de ça. Fjörtugun. Alors, je suis désolé, mais je lis pas le gaélique. Je ne lis pas le gaélique. C'est père à la cour du prince Adaliante. Oh merde, Adaliante est mort. Le drame. Vous m'avez fait honte. Ah ok, d'accord. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, les finances commencent à revoir un peu plus clair, là, c'est bien. Un vassal puissant attend un poste au conseil. Bah moi, je veux bien mon galéo, hein. T'es excellent, mais pourquoi t'es parti, en fait? C'était ça, ma question. T'étais très bien en... Ah non, c'est moi qui les tège. C'est vrai, je les tège. Pardon, pardon, Galéo. Il est bon, hein, bon intendant, hein, cela dit. Mais là, eux, il faut que je les temporise parce que... Ah, oh, c'est chiant. Ah, ça y est. Ça y est, il va me casser les couilles. Et appartient à Orlai. Non. Bon, alors, attendez voir. Là, j'aimerais bien... Je vais sauvegarder la partie. Révolution. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, de hein, toute façon. Vous devenez le vassal. Non. Je ne me laisserai pas menacer. Et donc là, ouais, voilà. Putain. Ça va être un enfer. Attendez, stop. Oh putain, le cauchemar. Mais j'ai quand même un potentiel de levée intéressant. Ça, c'est bien.
Quoi, ce vacant au conseil? Eh ben, on va refoutre Galéo, là, c'est bien. En intendance, j'ai qui? Mais Galéo, je l'ai déjà mis. C'est un peu délaqué, hein, quand même. Hein. Très bien. Ok. Alors, il faut que j'appelle mes alliés à la guerre. La France et l'Aquitaine. Je pense que ça peut être sympa, quand même. Ça peut être plutôt sympa. Mais lui, lui, il a du beau monde. Hein. Putain, il va me pisser à l'arrêt. Ça va être un délire. Hein. Ah, c'est chiant. D'accord, excellent. Alors, il faudrait que j'arrive à supprimer eux direct. En réalité, s'il m'envoie assez de monde, ça peut se gagner. Hein. Ah, notre chevalier Henri MacDrucker a tué un connard. Je sais pas qui, mais un connard. Et il l'a tué. Ça, c'est beau. Votre gloire est bien connue. Bon, lui, je vais prendre sa capitale et le sortir d'office. Hein. Ah putain, mais 9 mois, c'est long. Hein. Et puis, ils vont me prendre ça bien avant. C'est le souci. Alors, où sont mes alliés? Oh, c'est bon, ça arrive. Il se passe un truc. En vrai, ça peut tenir. Hein. Première armée de Bordeaux, deuxième armée de Bordeaux. Très bien. C'est long, ma parole. C'est long que c'est long. Ah, il y en a un qui arrive du sud, là. Mais c'est lequel? Ah, c'est lui, là. Pourquoi il est venu se foutre dans cette guerre? Non, ça va être chaud, hein. Je crois que... Celle-là, j'ai des doutes sur le fait qu'elle passe, quand même. Hein. Ça va dépendre de ce que le roi de France m'envoie. Sauf que le roi de France, il a pas l'air disposé à m'envoyer qui que ce soit. Estrée MacDrucker peut se marier. Alors là, il y a une alliance à jouer. Hein. Là, il y a une alliance à jouer, clairement. Oh, c'est tout. Duché de... Il n'y a pas mieux que ça, sérieux? Duché de Berry, duché de Provence. Ah si, quand même, ça va taper sur des trucs sympas. Hein. Ah ouais, si, si, il y a des trucs cool. Hein. Moi, je retire ce que j'ai dit. Hein. Bon, c'est un peu loin, par contre. Ça, ça accepte? Ouais, bah allez, hein. On va essayer ça. Hein. Parce que là, il va me falloir du beau monde. Hein. Ah, mais il va venir... Ça, c'est bien, parce qu'il va venir m'aider, du coup, à prendre... Aïe, 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 aïe. Au perspicace royeier. Alors, faible contrôle comptable, ça, d'accord. Je vais appeler mon allié à la guerre. Je vais appeler des renforts. Excellent. Bon, là, ils vont tous tomber sur ma capitale, ça va être dramatique. Mais j'ai l'impression qu'ils se dispersent un peu, quand même. Ouais, mais là, le problème, c'est que... Ça ne passera jamais, quoi. Ça m'envoie du monde, là, ou pas? Ouais, bon. Parce que ça va donner, mais à mon avis, ça va restart assez vite, ces conneries. Ok. Alors, attendez voir. Comment... Là, je vais me faire... Ouais. Je vais me faire poutraver à domicile, quoi. C'est le souci. Qu'est-ce qu'il va faire, là, l'Aquitain? Et le français? Pourquoi il m'envoie pas de... Je peux pas l'appeler à la guerre, le français? Mais je l'ai appelé, pourtant. Pourquoi il est pas venu? Ah, peut-être parce que j'ai eu un mort dans la famille et que, du coup, ouais, je sais pas. C'est pas clair. Je sais pas trop où il va aller, lui. Mais j'ai un peu peur. Hein. Là, à 2000, s'il se casse, je le vis très mal. Hein. Mais là, on est 5000. On va essayer ça. Hein. Vas-y, on va forcer un peu le destin. Ouais, c'est bien, ils me suivent, ok. On va essayer d'aller taper ça, ce serait bien qu'il... Faut absolument qu'ils me suivent pas. Oh putain, ça passera jamais. Ça passera jamais parce que l'autre va radiner au même moment. Oh là 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 là. Oh putain, oh ça peut passer. Oh, sur un malentendu, ça aurait pu passer, hein.
phrase sur un malentendu, ça aurait clairement pu passer. Oh! Oh, sur un malentendu, ça... Ouais, j'aurais dû attendre quelques instants de plus avant de d'y aller comme un con. Oh, vas-y, vas-y, vite, 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 tu peux le faire, tu peux... Oh, oui. Oh, putain, ça je m'y attendais pas. Hein. Ça, j'y aurais jamais cru. Hein. Ça, pour moi, c'était impossible que ça passe. Hein. Combattant allié tué, ouais, c'est pas grave. Ça, c'était absolument impossible à mes yeux que ça passe, et pourtant, c'est passé. Par contre, j'ai perdu du monde. Allô ? Mes troupes, là ? Je peux prendre mes... Bon, bah... Ok. Pas mal, hein. Ils se rassemblent dans le sud, je sais pas ce qu'ils font, mais on va aller les... On va aller leur casser les couilles, hein. Je pense qu'on va aller prendre leur capitale. Ils se replient, mais vers où ? Où est-ce qu'ils vont, ces cons, là ? Ah, ils vont aller prendre ça là-bas ? Ils font le tour ? Qu'est-ce qu'ils branlent ? Ah, je peux choisir un tuteur. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il respire bruyamment. C'est un enfant charmeur. Ah bah, on va lui mettre quelqu'un qui est bon en intrigue, alors. Ah non, pas moi. Oh, puis la princesse Estrée du Druk Irlande. Incroyable. Mais je l'ai pas mariée, Estrée? Ah si, je l'ai fiancée, ok. Ok. Il est en... Oh là là. Oh, il est en train de forcer de ouf, là. Il se rassemble. Faction contre vous dissoute. Ah, la faction contre la... pour la liberté. Oui, d'accord. On va aller prendre ça, hein. Bon, il est en train de se rassembler, là, mais... Ok. Je teste des trucs, hein. Pas bien ce que ça va donner, mais j'essaye des trucs, hein. Il le faut. Je sais pas ce qu'il fout, lui, là. 4 mois, et là, 6 mois. Ah, c'est long, hein. Il faudrait juste que mes alliés viennent m'aider, en fait, au lieu de piller. Mais visibly, c'est pas au programme, hein. Après, on est à plus 20%, donc c'est pas une catastrophe pour l'instant. Je pense qu'après ça, je vais faire une série d'exécutions parce que ils m'ont saoulé, là. Hein. Ils m'ont pété les couilles, hein. M'avait sous l'aide. Oh, j'aurais dû mettre des mangonos. Hein. J'aurais dû acheter des mangonos. Hein. En morse. Qu'est-ce qu'ils foutent, mes alliés? Ils veulent pas m'aider dans le siège, là? Thomas n'est plus votre sénéchal. Thomas. Merde. Ça, c'est dommageable, ça, par contre. Hein. Je peux pas remettre Galéo? Mais Estrée, elle est pas mal. Vas-y. Sénéchal du Druk Irlande. Le souci, c'est que ils vont nous retomber sur la gueule. On est repassé qu'à plus 6. Estrée, 14 ans, sénéchal. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Et là, va falloir remonter sur sa gueule. Hein. Ah. Attendez. Je peux perdre du fric, hein. Vinque, mais c'est qui Vinque? Une baltringue, là. La foutre d'elle. Une centaire. Vous obtenez 100 points. Ah, oh, je peux le tenter, quand même. J'espère juste que je vais pas perdre. Ouais, j'ai perdu 15, mais j'ai quand même obtenu un peu en intendance. Peut-être maintenant le propriétaire éponge monté sur un bâton. Ah. Santé, pénalité minuscule. Opinion d'enfant plus 10, d'accord. On est repassé à plus 30%, on a capturé un prisonnier, c'est bien. Mais le problème, c'est que là, il se rapproche de ma capitale. Il faudrait... Ouais. On va aller prendre ça vite fait. Mais pourquoi il s'en va, lui? Oh non, 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 reste là. C'est ma seule chance. Ou alors il part au nord pour aller taper. J'ai débloqué un mode de vie en attendant. Je vais prendre architecte vite. Comment ça? Mais vous voulez pas arrêter de faire des factions tout le temps, là? Puis t'es qui, toi? Ok. C'est dur.
ce jeu est vraiment dur. Par contre, je sais pas où ils vont, mais ça m'inquiète beaucoup, ça. Ils s'en vont, ils se cassent. Super, merci. Eh bah, génial. Eh bah, c'est perdu, hein. Qu'est-ce qu'il fout, là? Mais pourquoi tu rentres chez toi? Deuxième armée de Bordeaux. Mais qu'est-ce qu'il va faire, là-bas? Pourquoi il va se battre contre la... Attendez, il est en guerre contre le Norvégien, aussi, lui? Guerre de revendication de la Norvège, et du coup ils m'aident pas, bah super, bah je vais me faire défoncer parce que là je les tiendrai pas eux. Hein. On est 5500 et ils sont beaucoup plus que ça. Et c'est chiant. Ah, j'ai plus de grand écuyer non plus, bah c'est super. Poste vacant au conseil, ah. Non, c'est de l'intrigue qu'il me faut. Oh, mais la princesse Estrée elle est partout. Hein. Ça faut la garder elle. Hein. Recharge. De quoi recharge? Recharge quoi? La partie. Ah! C'est vrai que c'est pas con ça. Mais je recharge quand? Attendez, on est en quand là? On est en 116, il y a 2 ans. Pas trop, hein. J'hésite. Je suis hésitant. Est-ce que je reprends une auto-save ou... Si tu les tues... Ah! Ouais, je vois. Je vais recharger une partie un peu plus ancienne et... Normalement, je crois que j'ai sauvegardé... Ah putain, j'ai sauvegardé à ce moment-là, mais quel con aussi. J'avais pas une partie antérieure que j'ai save? Une auto-save juste avant. Ouais, j'ai une auto-save 6 mois avant. Je vais reprendre l'autosave, on va essayer ça. Ah mais si je les tue... Oh là là, oh là là, ok. Alors, attendez voir. Faction dangereuse, ah oui. Si je le tue... Mais tu veux dire si je l'assassine? Ah mais j'arriverai jamais à l'assassiner assez rapidement, je pense. 17 mois, ce sera trop long. Je peux essayer. Parce que lui, il est fort hein, quand même. 105%. Les autres, ils font pas les cakes à côté. Mais le problème, c'est que... Lui retirer ses titres. Ah. Un truc du style. Révoquer le titre. C'est vrai que je pourrais lui sortir un... Ouais, mais refus, voilà quoi. C'est un acte de tyrannie. Ça ne marchera pas. Pas grave. Ah, c'est pas grave? Essaye. Ou c'est vrai que t'as... Attends, je vais juste... Je vais juste faire une save test pour éviter que mon autosave se fasse défoncer. Et on va essayer de retirer à ce connard... ce fasciste traître, là. Révoquer le titre... Ou alors je retire que ça. Ah non, faut mieux que je prenne le plus gros. Hein. Franchement, les deux. Non, je peux pas les deux. Il va très mal le prendre, hein. Spoiler. Ah, bah voilà, ça y est. Guerre déclarée. Oh, ça se passe pas bien là. Ah, c'est encore pire que tout à l'heure, je crois. D'accord, bon bah ça ne marche pas, hein. Ok. Mince. Ah, je vais essayer de l'assassiner. Je sais pas si je peux le speed assassiner ou pas. Mon maître espion n'est pas trop mauvais. Alors, intrigue. Je peux inviter personne. Ah, putain, c'est con, ça. Donc, ça passera jamais. Pas dans le temps imparti, en tout cas. Ah, ils peuvent envoyer un ultimatum seulement dans 6 mois. Ouais, bah c'est à ce moment-là qu'ils vont me l'envoyer. Hein. Je ferai une autre tentative, tout à fait.
Ah, je peux inviter son père, quoi. C'est relou. Ne réussira pas, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, j'avais fait un truc à la con. J'avais dépensé du style. N'être plus accablé par le stress. Essaye de tuer quelqu'un qui veut ta place. Un repas. Attends, je peux organiser un banquet pour tuer des gens, tu veux dire? Ah, ou alors sinon... Attendez. Je pense à ça. Je peux assassiner elle, en fait. Je pourrais l'assassiner, elle. Peut-être que ça irait plus vite. 15 mois. C'est un peu... Essaye de tuer. Oui, je démarre le complot. Et peut-être que elle, pour le coup, il y aura plus de... Bah non, personne. Il y a son père. Et quoi, j'organise un banquet par là-dessus? Quelqu'un du groupe. Ouais, ouais, non, mais le problème, c'est quelqu'un du groupe... En fait, c'est lui qui pèse le plus fort dans la balance. Ah, je pourrais essayer de taper lui aussi. Hein. Ouais, 29%, c'est nul. Hein. Bien sûr, il y sera. Un cadeau, ah, j'ai pas l'argent pour leur envoyer un cadeau. Ah, je peux l'influencer par contre, tu as raison. On va essayer de l'influencer. Je suis pas sûr que ça changera grand chose pour le coup, mais... Il est de retour. Il apprécie la compagnie du prince Adaliante. En fait, le problème, c'est que j'ai un règne trop court, alors du coup, il se la joue... Ah non, mais un mois, c'est mort, j'y arriverai déjà. J'y arriverai jamais. Ouais. Attendez voir. J'avais des gamins, quelque part. Pivoine, je l'ai marié. Estrée, elle est où? Ah, Estrée, je vais lui trouver un conjoint. On va déjà négocier ça dès le départ. Ouais, ça, c'était pas trop mal, ça. Vas-y. Comme ça, je peux direct appeler des alliés à la guerre. Prince Adaliante. Je peux pas encore le marier, dommage. Alliance formée, très bien. Parce que ça, ça les calme, par exemple. Mécontentement 100%, ils peuvent envoyer un ulti... Ah bah ça y est, voilà. Non, je ne me laisserai pas menacer. Ah, mais il y en avait un en moins de tout à l'heure. J'avais réussi à en virer un, je sais pas comment. Ah, il avait été emprisonné par un mec à Toulouse, je crois. Rassembler les troupes. Rassemblons le troupé. Oh, c'est la merde. Hein. Oh, c'est la... C'est vraiment la merde, hein. Et là, j'ai encore moins de troupes à lever. Non, mais ça va être la de mer. Hein. Non, mais je peux rien faire. Contre ça, je peux juste rien faire, en fait. Ah, oh, c'est relou. Putain, c'est pénible. C'est pénible parce que là, je sens que je suis trop limite sur le jeu. Je suis vraiment beaucoup trop limite et c'est con. Et attendez, je peux peut-être essayer d'emprisonner la meuf, là. Elle est où? Demander l'excommunication. Ah, je peux pas, là. D'accord. Non, mais ça prend trop de temps. Ça prend beaucoup trop de temps. C'est chiant. Et elle me déteste pas tant que ça, au final. Je peux la séduire. Arranger un mariage, ouais. Mais elle sort d'où, elle? Qu'est-ce qu'elle fout, là? Ah ouais, donc en fait, il complote contre moi pour foutre une random. C'est poussif, c'est... Attendez, je vais essayer de les calmer un peu, genre...
Ouais, il est toujours à 105%. Mais 77... 74 quand même. Hein. Et lui, là, je peux pas l'assassiner. Non, non, mais ça, c'est la fin. Hein, c'est... Si je lui révoque son titre à ce connard-là. Ah, pourrait accepter. Il y a 25% de chance qu'il accepte ce con, quand même. Hein. J'ai pas d'hameçon. Vas-y, j'essaye. Hein. J'essaye des trucs, hein. Je travaille des trucs. Ils vont me déclarer la guerre, hein. Certified. Eh bah ben voilà, c'était sûr. Ah! Ah d'accord. Lol, ah, il me déteste, mais ah, mais ça marchera pas, ça. J'en prends qu'un seul. Lol. Alors, c'était pas très efficace, mais au moins, il s'est passé un truc. J'ai qui en maître espion? Je peux mettre Estrée, elle est bien Estrée. Mais elle est pas dispo. Quel dommage. Ok. Lol. Et y a qui d'autre là en... Ok. Oh, c'est lui qui fait chier. Hein. Trop puissant, trop puissant. Si j'essaye de lui révoquer des titres. Ça pourrait marcher. Ah, vas-y, je vais les pourrir, hein, je vais tous les pourrir. On va prier pour que ça marche. C'est considéré... Ouais, non mais voilà. Putain, mais même Galéo est contre moi. Oh là là, le drama, quoi. Fait baisser leurs impôts. Ouais, attends, je recharge ma partie de test. 4-7-7... Quoi? Attends, non. Attends. Si je... Donc je lui modifie son contrat féodal, c'est ça? Il avait 4777 hommes. Ok. C'était joué. Comment ça c'était joué? Oh, je suis con à ce point-là? Alors attendez, déjà, là il y a un truc certified que je refais. Première chose que je refais, c'est... Je réessaye de le déposséder de ses terres, ce con. Salut tout le monde, coucou Natchum, comment vas-tu? Je réessaye de ce con de déposséder... voilà. Comté d'Angus, il y a un truc ici Ça va et toi? Bah, ça roule, écoute. Il avait 4770... Ah putain, j'avais pas fait gaffe, quel con. Attendez, j'essaye, hein, je réessaye. Je réessaye cette martingale de forain. Parce qu'au final, ça marchait pas mal. Ah, ok, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Stop. Et baisser leurs impôts. Alors, il faut que je baisse les impôts de cet abruti, là. Je modifie le contrat féodal. Ouais, mais je vais pas l'exempter d'impôts. Ça va vraiment le calmer, ça? Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Mariage avec la Pologne. C'est tout à fait, mariage avec la Pologne. Alors non, je vais pas lui baisser ses impôts tout de suite. Je vais me marier avec la Pologne. Est-ce qu'il y aurait un moyen que je foute quelqu'un dehors, là? Genre, elle, je la mets au conseil. Je pourrais la mettre au conseil. Vas-y, on va essayer. Peut-être que ça va la calmer. Et il faut que je marie... C'était qui? C'était Estrée, hein, je crois. Mais je peux marier Aslev aussi. Comté de Liège. Vantachirlich. Passe pas en matrie, hein. Je teste des trucs, hein. Je teste des trucs. Là, il me faut des alliés. Il me faut la masse d'alliés. Estrée, c'était avec... Non, c'était pas eux, je crois. Non, c'était pas eux, mais je sais plus où c'est. Duché de Provence, c'est sympa aussi. J'étais sur le live d'Estrée ce matin d'ailleurs. Ah, très bien. Comment est-ce que... Je suis passé un peu en lurk chez elle, mais vraiment vitef. Pas trop à quoi elle jouait. C'était pas The Last Campfire, il me semble que j'ai vu ça. Ouais. Allez, on va essayer ça. Possible, j'ai pas tout compris. Ah, terrible. Drama. Et là, ouais. Disons que je l'ai bien dépossédé de ses hommes, quand même. En lui bouffant son comté de mort, là, en prenant Angus. Je l'ai bien fait yesh.
mais ça passe jamais, ça. C'est certified que ça passe jamais. Et elle, je l'ai mise au conseil, donc elle me déteste moins. Et lui, il pue un peu quand même. C'est lui qui est lourd, en fait. C'est lui qui est trop lourd. Bon, lui, il faudra absolument que je retire des trucs, hein. Une fois que je l'aurai emprisonné, je vais reprendre des trucs en gestion personnelle, je pense. Et attendez, je vais refaire une save. Ok. Bazou. J'essaye des trucs, hein. Puis après, je fais ma pause. Alliance formée, très bien. Et une deuxième. Alors, ça, ça peut être... Je suis quand en... Ah oui. Bon, j'essaye de l'assassiner, mais ça ne marchera pas trop, j'y crois pas. Ok. Et on je pourrais lui déclarer une guerre en préventif, c'est pas possible. Hein. Ok. C'est des trucs que j'aimerais bien tenter, mais... Mais je sais que ça marche pas, quoi. Earldom de Lennox. Ah, c'est vrai que j'ai récupéré ça. Prince Adalion du truc qui arrive n'importe quoi. Bon, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Ah! Ah, merde. Rejoindre ma guerre de dans la guerre de libération. Ah, tu te libères du Saint-Empire? T'y crois vraiment? Mec, c'est chaud, hein. Ah, quoique si, ça peut passer, hein. J'accepte. En vrai, j'en ai rien à foutre, mais... En vrai, je vais pas y aller, mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner un peu. Et moins 28 pour... moins 29%. Le problème, c'est que je vais perdre mon allié, quoi. S'il perd sa guerre... Et puis si j'envoie mes troupes, ça va être la merde aussi. S'il profite de ça, c'est trop duc. Je suis pas rendu. Hein. Faction dangereuse. Ouais, ça y est. Allez, dans deux mois, ils attaquent. Ah, il a perdu, lui. Il est perdu en puissance, ce con. Ah, effondrement mental. Ça y est, ça recommence. Je vais redépenser du prestige. Hop, je ne suis plus affecté par le stress. Je ne suis plus accablé par le stress. Ok. Bon, bah, J'espère que ça va le faire, hein. Même si j'y crois pas trop. Faut essayer des trucs, hein. Faut que je fasse ma pause, surtout. Ah, bien sûr, il y sera. Se battre entre eux, ça doit être bon. Ouais, mais ça fait un peu plaisir, ça. Mais pourquoi Toulouse est déjà là? Ça, c'est un truc qui me... Ah, l'assassinat en route. Oh, putain, mon stress. Mon stress, au secours. Hein. Je vais abandonner cette idée parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Je peux inviter personne en plus. Hein. Je sais pas pourquoi je mets du fric là-dedans alors que je sais très bien que c'est de la merde. Faible contrôle en Angus. Attends, tu vas augmenter le contrôle du Cantal, toi. Mais c'est nul. Alors, en Moray, c'est vraiment nul. Hein. Ah, très bien. Ah, voilà! Demande d'un prétendant. Je ne me laisserai pas menacer. Ah, là, il a plus 4000, là. Hein. Là, il a plus 4000. Hein. Bah, putain, mais ça passe toujours pas. Hein. Je sais pas comment. Hein. Ah. Je sais pas comment c'est possible, hein, alors que j'en ai retiré à lui et... Ah, oh, c'est chiant. C'est chiant. Peut-être qu'avec mes alliés, ça passe. Je sais pas. De toute façon, j'ai que ça à foutre, donc je vais essayer, mais... Ah, ça me trigue. Y'a que ça? Y'a que ça, cet abruti? J'ai pas compris. Ah, non, ok, l'affichage était pas à jour. Oh, putain, c'est archi chiant, hein. Je vais appeler mes alliés à la guerre. Hein. Ah, je comprenais pas. Je vais appeler tout le monde là. Hein. Ah, je vais faire ce que je peux, mais j'y crois pas trop. L'avantage, c'est que Toulouse, il y a déjà du beau monde ici, ça c'est cool.
Et je pense que je vais lever tout le monde ici. Putain, par contre, j'ai que 2000. Ça, c'est chiant. Ah, il poste vacant conseil. Non, mais c'est normal. Alors, attendez voir. Bah, ce sera Galéo. Hein. Mais je peux pas le réaffecter. Non, 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 non. Je crois qu'il est meilleur en... Ah, il est meilleur en intendance qu'en... Ok. D'accord. S'occuper des chevaliers. Ah. J'ai pas beaucoup d'argent, ça c'est le problème. Ah, j'ai que 2700, c'est un peu nul hein, quand même. Ok. Bon, bah c'est là où ça va être beaucoup moins drôle d'un coup. Hein. Parce que c'est pas autant la fête du slip que tout à l'heure quand même. Je voudrais tout dismiss là. Comment je fais? Voilà. Ils se barrent, d'accord. Ah non, ils prennent ça. Ok, bon bah il faut que mon allié vienne. Ok, le Toulousain. D'accord, mettre Toulouse. Bon, ça m'envoie des troupes un peu là ou... Ah ok, sympa. Ouais, il y a du monde qui arrive. Ok, ça peut très bien se passer comme très mal se passer. La clé, c'est d'aller très vite. Bon, pour l'instant, ils n'envahissent pas encore ma capitale. Je crois. Je suis pas sûr. Hein. Ah, si, c'est le siège de ma capitale qui sont en train... Ah non, c'est le siège ici qui sont en train de faire. Ok. Bon, l'allié arrive là, c'est bien. C'est très très bien. On part en bas. Oh, putain, ils sont 5000 par contre. Hein. Ça va être showtime quand même. Ah, ils sont en train de se courser. Ils sont en train de se sniffer le cul. Le réconfort d'un ami. Ah. Bah merci, Prince Galéo. T'es vraiment Galéo le sang, quoi. Galéo le sang de la vigne. Aucun rapport. 4000 ici, on est... Ah si, on est 8000 quand même. Mais ils sont beaucoup aussi. Hein. En tout cas, ce sera chaud. Hein. Dans tous les cas, ce sera Tandax. Hein. Là qui se barre là, bon c'est des sbires après, pas très intéressant. Ah, elle a été invalidée, c'est bien ça. Ok, on a pris le siège. Alliance expirée, Bernard von Namur. Ah merde. Important pour les terres... Sectonès. Oui mais non, parce que... Au final, ça ne passera quand même pas, je pense. Hein. Voilà, on est 8000, mais... j'y crois pas trop, quand même. Ouais, on est 8000, quand même. Hein. Ça pourrait... Ça pourrait très bien se passer. Hein. Peut-être aller se battre un peu contre eux, là, contre ces connards. Oh, la grosse baston. Oh, la grosse baston, là. Allez, les 2000, là. Vite, 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 vite. Ok. C'est là-dessus que tout va se jouer, hein. C'est là-dessus que tout peut se jouer. Ah, les carpes. Non, non, mais j'ai pas d'argent à foutre là-dedans. Vous foutez de moi. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Chet. Bon, on va aller prendre ça. Hein. Oh oui, oui. Oh oui, oui, on va aller prendre la capitale, là. On va lui pourrir sa gueule. 4 mois. Ah, ça peut être vite réglé, hein, cette connerie. Parce que là, il est en déroute. Faut que j'aille prendre sa capitale là. T'es en guerre et ton roi veut pêcher. Non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est quand même... C'est quand même fou, cette attitude, là. Ah, ça y est. Ça passe à l'assaut. Puis derrière, faut aller prendre Edimbourg. Hein. Y'a pas le choix. Hein. Ah, attendez voir. Prêt. Ah, 5% de chance, c'est nul, hein. Bon, le complot peut être découvert, je suis en guerre contre lui, donc je m'en fous, quoi. 5%, c'est 100%, c'est bien connu. Eh bah oui. Ah, j'obtiens quand même de la redoutabilité, ça peut les calmer un peu, ça. Attends, le port d'Edimbourg pour pêcher, c'est cool, c'est vrai. Tenu le très vigilant, mais c'est pas très grave. Anciennement, c'est pas très grave. Quelqu'un d'autre? Quoi?
Voyez-vous quelqu'un d'autre? Cherchez les secrets ciblant votre cour. Allez, faut que je le prenne. Vite, 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 vite. Il est toulousain, là-haut. Il a fait le tour, cet abruti, mais il va mal le vivre. Hein. Quand je vais redescendre sur sa capitale, il va pas très bien le vivre, je pense. Enfin, quoi qu'il peut faire pareil chez moi. Hein. Ça, c'est le problème. C'est le souci dans l'équation, ça. J'avais dit qu'il fallait que je fasse une pause aussi, parce que ça fait 1h10 qu'on est en... que la vidéo est lancée. Ce qui est ridicule. Si je les fais descendre, ils me suivent. Ouais, c'est bien. Ok, bah venez. On va aller essayer de choper sa capitale. Il va aller se friter avec Toulouse, là. Qu'est-ce qu'il branle? Je comprends pas. Ok, on va essayer d'aller assiéger sa capitale. Avec un peu de bol, ça passe. 3 mois, c'est tout. Oh là là, mais... Gratos. Complètement gratos. Il est en guerre avec Toulouse. Donc, il est en guerre avec Toulouse. Et en plus de ça, Toulouse, c'est mon allié. Il m'a ramené des troupes. Ça je m'y attendais pas. Il est en train d'assiéger ici. 15 mois. Ah, putain, c'est long. Parce qu'il a pas d'arme de siège, ça. Les hébrides extérieurs. Il est pas venu chercher, me chercher des noises dans ma capitale, ce qui est bien. Hein. Et là, quand on aura pris sa capitale à l'autre connard... Malgré tous mes efforts, mes agents et moi-même n'avons pas découvert de secret. Non, ne perdons pas plus de temps. C'est bon. Pas que ça à foutre. Hein. Pas que ça à foutre. Allez. J'y crois à mort. Chez ! Ouais, on est qu'à 40%, c'est pas fou, hein. C'est quand même pas fou non plus. On va essayer de remonter là, avec un peu de bol. Ou alors on prend ça. Ça pourrait ne pas être idiot de prendre ça. Et de lui forcer un peu la main. Parce qu'avec des troupes en plus, ouais, ça va pas tellement vite. Hein. Pas tellement plus vite. Hein. Ça va être pris, c'est sûr. Donc je vais reperdre en score de guerre. Bah, ouais. Maintenant occupé, oui, bah oui, ça j'avais compris. Mais qu'ils vienne le man. Hein. Là on est 5000. Ah, mais il faudrait que mon allié vienne m'aider là en fait, c'est le problème. Ah ouais, voilà, je savais que ça allait se passer comme ça c'était sûr. Abandonner le siège, bande de cons. Ah bah non, eh bah super. Bon, on va aller l'aider alors. Mon allié va bouger avec moi. Ouais, c'est bon. C'est chaud, ça brûle. Oh, ça passera jamais. On ne passera jamais. Ouais, c'est fini. Là, c'était le sale move. J'aurais dû rester là et temporiser plus longtemps. Fallait pas bouger. Ouais, mais j'ai hésité. J'ai hésité, j'aurais pas dû. C'était une erreur. C'était une erreur de ma part. Après, je peux recharger ma save. Hein. C'est pas gravissime, mais... Un peu con, quoi. Attendez, il me reste plus beaucoup. Ouais. Je vais recharger ma save, hein. Autosave 2, c'était quand? 1er janvier Ah, je vais recharger ça, c'est bien. Bon, je sais que normalement, on joue en Iron Man. Stop, load time. Ah bah c'est bien, très bien. On va aller l'aider ici, on va rester là et on va attendre qu'ils viennent... parce qu'ils vont venir s'empaler sur nous. Donc faut pas t'allier à Liège. Pourquoi faut pas m'allier à Liège? Bah si, ça passe pas mal. Ça passe pas mal de m'allier à Liège. En soi, ça change pas grand chose. Non mais faut que je fasse ma pause parce que là... On teste pour la science, tout à fait. Là on est sur... Là l'Iron Man est mort. Hein. Je vais juste faire ma petite pause les jeunes, je vais aller uriner. Je vous remets de la musique et je reviens dans 5 minutes. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour encore plus de bordel. Ciao.